à se lever. Allez. Ah. Allez, debout, au travail. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me rappelle pas. Clovis, je t'ai dit pas de femme à la maison. Un peu de respect pour ta pauvre mère. Les femmes, c'est toutes des greux. Eh. Allez, debout. C'est pas ce matin qu'on fera la grasse matinée. Encore ce chien qui pète tout le temps. Quelle odeur, va. Trop dégueulasse. Mmh. Bah. Celui-là, quand il a débarqué au Maroc, en 42, je me demande ce que j'allais foutre là-bas, du reste. Il était le dernier. Vous allez voir comment il a débarqué. Et comment il l'a fait, cet enfant, dans la liesse générale? Pas sur la table de la cuisine, non. Mais c'était pas plus romantique. Hey, come on, baby! Et sa petite affaire conclue, il m'a balancé par la tourelle. Authentique, mais vrai. Et quand la guerre était finie, son père s'est rembarqué pour les États-Unis en me disant « Rien n'est grave, sauf la mort ». C'est tout ce qu'il savait dire, du reste. Quand je pense que son abruti de fils ne rêve que d'aller en Amérique pour le retrouver, les hommes, des chiens. Vous êtes bien Clovis Blaireau, le fameux détective, méthode américaine? Oh, yes. Eh oui, oui. Vous savez pas lire ou quoi? C'est... It's me. All right, mon chou. Quel est votre problème? Puis-je avoir confiance en vous? Yeah.
rien, c'est rien du tout, Nancy. Non, mais c'est pas grave, c'est rien du tout. La situation devient impossible. Nous n'avons plus aucune relation, d'aucune sorte du reste. Au sujet de votre mari. Ah, ici, je vois, oui, votre mari, bien sûr, le triangle classique. L'éternel triangle, le triangle au perpudes. Oui, je vous ai compris, il y a un homme de trop et il doit disparaître, voilà. Oui, je veux le divorce, mais mon mari, monsieur de Courtavel, ne veut rien savoir. Il me faut la preuve qu'il me trompe. Non, vous voulez pas que je couche avec lui, non? Suivez-le, suivez-le jour et nuit. Il me faut absolument un flagrant délit d'adultère. Ensuite, je serai libre. Libre. Et ma foi, qui sait? Vous me comprenez? Ah, oui. Je vous reçois 5 sur 5, comme disait mon père le pauvre. La photo de mon mari. Et pour vos honoraires? Oh, you and me, pas question d'argent entre nous. Oh, quelle générosité. J'aime les hommes forts. Et vous, vous aimez les femmes d'expérience, n'est-ce pas? Oui, je dois avouer, les gamines d'aujourd'hui ne m'intéressent pas. Cela prouve votre virilité. Vous êtes un taureau, n'est-ce pas? Moi, je suis vierge. Non, moi, la vérité, je suis plutôt juif. Permettez-moi de vous donner un petit à-compte. Quel homme! Vous la connaissez, celle-là? C'est encore le petit Rossi qui l'a vagonné dans le secteur. Oh, ça fait pas du chien. Ah, maman. Tu chaussais 44 et tu fais du 36. Eh, pousse-toi, chérie. Oh, non, sorry, it's my dog. Non, OK. Et non, je fais mon jogging. Yes, hey, time is money. Non, mais take tomorrow morning, no problem. OK. Bon, bouffe ensemble. Eh bien, on fout qu'est-ce comme d'habitude, quel est le problème? Matra, c'est l'un de Khalles. Oui, et même un arbre qui est tout l'inta. Oui, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça fait 3 kilomètres, ça suffit. Monte, Charles-Henri. J'espère que ça t'a déconstipé. Charles-Henri. Ce chien avec sa constipation chronique, il me l'est gonflé. Oh, mon Dieu. Protocole. Quelle vulgarité, mon pauvre ami. Mais non, j'ai dit que... Vraiment. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai dit que le soleil, avec la chaleur, les pneus, ça gonfle, c'est tout. Bravo, c'est ça. Voilà, il faut tout lui expliquer, hein, Grégory, hein. Ce matin. Mais c'est moi, Clovis. Mais les cons, ce chien, quoi? Tu me reconnais pas? C'est moi, Clovis, le détective. Laisse-moi faire mon boulot, là, putain. Je dois suivre le contabeur. Voilà, j'ai appuyé sur le bouton. Abruti, chien d'ivrogne. Tarzan, reste ici. Eh ben, tu vas rentrer à pied maintenant. C'est bien fait pour ta mère. Eh ben, divorcé, ça fait 20 ans que je vous le demande. Divorcé? Dieu préserve, on n'a jamais divorcé dans la famille. Plus de mourir. Eh ben, c'est mieux. Faites-moi veuve. Bah, tais-toi, Rosette, tais-toi quand tu parles. Rosette ne dit jamais ça, ça porte la scoumoul. La scoumoul, si tu crèves. Ah, tu veux que je te dise, tu m'as dit ça. La barre, ça va. Mais tu fais mon père. Mais tu peux pas crier doucement, non? Oh, y a Rosette, y'en a marre, hein? Arrêtez de m'appeler Rosette! Ça fait 20 ans que tu restes trois prospères, que tu me demandes de m'appeler la tête! Allez, toujours la tête! Tu m'as gonflé la tête! Ouh! Mais tu vas comprendre un jour qu'on n'est plus Alger! À l'époque, tu étais beau! Maintenant, tu es bouffi derrière les oreilles! Tu veux que je te dise, Prosper? Tu m'indiffères! T'en faut à qui si j'ai grossi? En rentrant d'Alger, tu voulais qu'on devienne riche. On est devenu riche. On m'a fait acheter la particule de Courtabœuf. Oui, madame Tchiklala, Courtabœuf. Ah, quelle vulgarité. Avec ton snobisme. Maintenant, même quand je tire la chasse d'eau, je me demande si je dois pas rester avec le petit doigt en l'air. Quelle classe! Monsieur le PDG des chiffons! Quel standing! Bob, 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 bob! Mais justement, Dama. Monsieur PDG des chiffons, il t'emmerde. Tu as compris? C'est le standing, je l'ai donné, ce standing. Et à cause de ça, j'ai des soucis. Je stresse. Tu sais ce que c'est, le stress? Tu stresses, toi? Tu es névrosé. Ah, tu penses qu'à tes kidnappings de patron, à ta sécurité, à tes ennemis. Ta maladie, c'est une névrose carabinée.
On va manger. Pour qui tu te prends? Pour le baron en pain de sucre? Arrête, Rosette! Nadège! Rosette! Non! Monsieur écoute aux portes, peut-être? Et vous, l'anglais, qu'est-ce que vous faisiez de l'autre côté, hein? Mademoiselle Chocolini has arrived. Pas ça, show Harry. Quoi? Bon, vous faites la rentrée. Ah, allez, ça va. Putain, je rentre au bureau parce que... Ok. Je préfère. Ok. Chocolini. Nothing. Nothing. Ouais. La, 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 la. Salut, les sœurs Chocolini del Billard par le 57 avec correspondance à Belco. Tout ça, c'est encore à cause de vous, Eliane, hein? Mon Dieu, si je peux me permettre de vous demander encore quelque chose, faites que je ne revois plus sa famille et principalement sa sœur Eliane ici présente. Ainsi soit-il, la mienne. Oh, ma fille, ton mari devient fou. J'en ai des palpitations. Je me suis permis de préparer un petit remontant pour madame. Élixir d'amour. Oh, quelle merveille! Mais c'est une peine, ce Grégory. Il n'est pas pédé. Savoir. Ah, hanche contre hanche, on était les voitures porte-maillot. Je suis vidée. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a, ton mari? Monsieur se rebiffe. T'es comme moi, prends une amant. Non. Tu mérites aussi, ça calme, c'est comme le Valium. Eh ben, si ça peut te faire plaisir. Ma chérie, c'est déjà fait. Tu as pris du Valium? Non, un amant. Oh, si tu savais, un homme avec une classe. Il s'appelle Patrick. Je l'ai connu au golf. Il y a 6 mois environ. Non! Remarque, j'aurais dû m'en douter, hein, à te voir avec des culottes en soie. Aïe, 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 les nuits de folie! Ah, il est con, ce Tarzan. Et en plus, il croyait me rattraper. Tiens, il court comme un phoque. Oh, tu as triché, hein? Tu as pris l'essence interdite, enfoiré. Oh, c'est le chien de ton père, ça, hein? Oui, c'est un pourri, ça. Ça passe qui, cette voiture-là? Oui, le directeur financier, monsieur. Directeur financier. Dites-lui qu'il passe me voir à mon bureau, hein? D'accord. Il a mordu sur ma place. Commence à prendre ses ailes, celui-là, hein? Oui, monsieur, je vais lui dire. Et agrafez votre bouton quand vous me parlez, s'il vous plaît. Oui, j'agrafe le bouton, oui. Et on salue, s'il vous plaît, hein? Oui, je salue, s'il vous plaît. Personnel. Mon amour, oh, nous ne pouvons pas, pas ici, pour se faire peut arriver d'un moment à l'autre, et nous surprendre à l'improviste. Oh, la fermeture est devant. Ne me parle plus de ton mari, tu veux, à cause de lui, on fait ça à la sauvette. Oh, sois patient, Patrick, je t'en supplie. Mon détective le suit jour et nuit. Il aura sa photo d'adultère. Mais ton compte prospère et fidèle, c'est pas demain qu'il divorcera, c'est tort. Non, mais tu te vois, toi, avec une simple pension à ton âge. Oh. Franchement, ce que je veux en dire, c'est pour toi. Tu mérites bien la moitié de sa fortune. Ah, ah, ah.
Oh non, please, please, passe. Je t'en prie. Non, c'est dangereux ici. Ah, ah, mes chaussures. Here, aïe, aïe, quickly, quickly. Aïe, 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 come. Ah, 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 mon Dieu. Mon Dieu, quelle horreur. François, préparez un encas pour madame, elle ne va pas tarder à en avoir besoin. Encore. Oh, dato che no, ma perché, perché è così? Ho lavorato per niente, no? Sì. Vous êtes sûr que vous désirez rien d'autre? Bon, mais d'accord, d'accord, le capitaine, quel problème? Voilà, alors 250 tonnes de chiffon millé, c'est ça, et 100 tonnes en vrac. En vrac, au cours du jour, au cours du jour. No, 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 it's impossible. No, it's very expensive. No, 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 sorry, sorry, $15, please. Please, perché? Perché? Perché è così? Perché è così? Ho detto che no. Ho lavorato per niente, no. Scusi, ho molto caro, oh. E adesso, adesso, di magari quello che taxi, con l'arcata in quello che... Non calma. Oh, c'è pas possible, on peut pas travailler dans des conditions pareilles, enfin. Tout ça pour 2 milliards, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben voilà. D'accord. Ok. Shalom. Désolé, mais vraiment, les cours, les machins, c'est pas possible en ce moment. Alors, et mon prêt? Refusé? Mais pourquoi? Qu'étais-je? Né d'une famille plus que modeste, mon père nous donnait à manger des pois chiches que l'on faisait griller le dimanche. Ma mère, qui était auvergnate, nous berçait pour endormir notre misère en chantant les chiffons, fanfons, les petites marionnettes. Eh bien, à force d'entendre parler des chiffons, j'ai fini par en vendre. Et je ne pensais qu'à amasser de l'argent, de l'argent, de l'argent, encore de l'argent, toujours de l'argent. Et je le vendais trop, trop, trop. Il y a plus jamais trop, trop. Ah, je vais le pulvériser, ce coup. Mais comment ça c'est possible? Ma voiture est blindée. C'est lui, le Richard, avec sa compagnon qui veut rentrer dedans. Ouais, ouais, je savais, on est témoin. Ouais. Non, c'est juste un petit rapport de carrosserie. Oh, vous avez lu ce livre? Oui, monsieur, je suis américain. Mais... c'est le seul livre français que j'ai lu. J'adore, c'est mon livre de chevet. Non. Je l'ai lu 300 fois. Non, je rêve pas. Quoi? Tu me reconnais à moi? Prosper, je suis Clovis. Je n'ai pas changé à ce point-là. Je vois pas. Comment on était à l'école ensemble? À Babeloued, tu te rappelles ou non? Mais non, parce que moi, je suis de Babazoun. Qui est Babazoun? Mais c'est là dans ton livre. Chauffe, page 24, Babeloued. J'ai lu tous tes bouquins, là, putain. Je suis vraiment fier de toi. D'ailleurs, j'ai parlé à tous mes amis de ta réussite. Fantastique. Tu prends des chiffons, tu en fais du papier, traque le papier, tu en fais de l'argent. Allez, viens, mon petit, laisse-moi t'offrir un petit verre. Ouais, mais votre voiture, là... Oh, t'en fais pas pour ça, c'est pas grave. Comme mon père, il disait, rien n'est grave, sauf la mort. Et voilà, comme ça, personne, il la volera. Et voilà, tes costumes de PDG à la poubelle. Tu as vu comme tu es beau. Allez, on va faire la vie. La putain de 52. Et beau que moi, tu meurs. Grégory, vous trouvez que ça me va comment? Comme un pyjama sur un canari. Bon, merci pour la Rolls, Grégory. Vous pouvez rentrer en métro maintenant. En métro? C'est quoi le métro? Le métro, c'est en bas, au sous-sol. Vous trouverez la notice à l'intérieur. Il vous remboursera le ticket. En deuxième. Ses pieds noirs, chasser le naturel, il revient à bourricot. Tu vas voir la vie que je vais te faire mener, que tu aurais dû mener depuis 20 ans au lieu de penser au pognon. Il y a des années que j'ai pas rigolé comme ça. Grâce à toi, je suis devenu un autre. Et un autre. Tu es devenu toi-même, Prosper. Non, mais c'est vrai, avec la tête, je peux même plus plaisanter. Même ça, je me l'interdis.
Il faut que vous excusiez mon ami, il est désespéré, il a perdu sa femme la semaine dernière. Ah ouais? Oui, il l'a tué d'amour. C'est un homme dangereux, la putain, pour les femmes. C'est une bête, ce type, un étalon. C'est mon drame. Je suis trop sentimental. Ah. Chez toi ou chez moi? Quoi? Hein? Eh oui, cherche pas, les filles d'aujourd'hui, elles sont comme ça. Ok. Un petit coup de main, Prosper. Je te demande, hein. Tire dans le noir en plus. Et qui vous êtes, vous? J'habite ici. Mais où est ma femme? Oh, vous êtes le mari. Prosper, le mari, il est revenu. Prosper! Qu'est-ce qu'il veut? J'en sais rien, mais il n'a pas l'air content, d'après moi. Je vais vous casser la gueule! Ah non, mais c'est pas possible. Vous pouvez pas être le mari. Votre femme a dit que vous rentriez pas avant jeudi. Et aujourd'hui, on est mardi. Foutez-moi le camp! Oh non, soyez raisonnable à une heure pareille. Il fait froid dehors. Prosper, faut pas insister pour lui rendre son lit, là, putain. C'est personnel, ces trucs-là. Oh, Prosper! Il est dingue, le type, il m'a frappé! Prosper! C'est quelque chose! Explique-lui, j'y suis pour rien dans cette affaire! Il a eu une sale tête, il veut me niquer le beignet! Pas la porte de service! Au secours! Prosper! Mon pote, je me suis trompé d'appartement. C'était pas ma femme. Oh, c'était pas votre femme. Sauvez ! Oh, le con ! Ah, tu as vu, si je suis doué depuis le 14e étage, si. Juste sur toi, Plouf, c'est incroyable. J'ai visé juste, hein, pour t'emmener dans tes bras, pas pour l'œil. Oh, non, ma... ça suffit, ma fille. J'ai vu une chambre, elles ont fondu. Dis-moi, tu le vois toujours, ton amant? Il n'est pas parfait, mais c'est un amour. Et si tu savais, au lit, c'est un dieu. Qu'est-ce que je dis, un dieu? Je suis une mitraillette. Mais quelle classe. Moi, ces choses-là, ça me fatigue. C'est vrai, ma fille, faut dormir quand même. Figure-toi que Patrick m'amène à Kstall pour Christmas. Dans le chalet d'Iran. Et à Pâques, il descend à Marbella pour travailler son revers avec Bjorn. Ira, Bjorn. Qu'est-ce que ça compte? Ira de Fürstenberg, Björnborg. Ah, toi, tu seras toujours aussi rail que Prosper. Tu ne feras jamais partie de la Jet Society. Chacha d'Amira. Ah, c'est beau, le beau monde. Mais tu peux pas comprendre, toi, il y a que des riches. Les douceurs de madame. C'est Grégory. À le voir tout habillé, on le croirait jamais si beau tout nu. Je remercie madame d'apprécier mon corps d'albâtre. Arrêtez, Grégory, vous m'excitez maintenant. On est vicieuse. On est au sauna pour perdre du poids et on mange des gâteaux. Et alors, un peu tu perds, un peu tu gagnes, tu équilibres. Dis-moi, pourquoi tu viens pas avec nous en vacances? Prends ton mari, moi je prends le mien. Tu es folle, c'est pas le moment. Quand tu reviendras, on sera peut-être divorcés. Cette nuit, il a découché pour la première fois. Quelle chance, il te trompe. Oui. Pourri.
Là, elle lui tourne le dos. Là, c'est l'autre qui ferme les yeux. Et quand ils sont nets tous les deux, ils sont pas sur la même photo. Ah, alors là, ils sont ensemble. Alors là, c'est parfait, la putain. Je le tiens, mon flagrant délit d'adultère. Donc, est prêt pour la soirée. Maman, on n'entre pas dans la chambre noire, voyons. Il suffit que la lumière, elle tombe sur ma photo. Et ça... Ruinez-moi. Viens me tenir la portière, s'il vous plaît. On fait doucement. Attention les bottes. La toile de tente. Voilà. Oh, tu me lâches le pied ou quoi? Comment c'est Prosper qui m'a invité? Ah, vous n'allez pas m'apprendre mon métier, darling. Je vois, il n'y a rien que du beau monde ici, hein, tout est gru. Oh, darling! Votre cheval est-il des nôtres ce soir? Non, le pauvre, il serait jaloux de votre tête, de cheval. Sinistre, mon frère, il est venu. Tu as rencontré ma femme, dis-moi, hein? Comment tu trouves sa soirée sinistre? Hein? Tous tes cons, hein? Voilà. Allez, viens que je te présente, viens, okay. Viens, tous tes cons, ouais. Tous tes cons, oh. Tu vas voir. Regarde, t'es, regarde, madame la baronne, de là je coupe et tout. Ça va? On passe, on passe. C'est fait. Ils ont relâché le baron Dillé au coup d'une rançon de 5 milliards de livres. Ça devient invivable. Moi, je vais prendre des gorilles. Moi, j'ai mieux. J'ai l'alarme la plus moderne, l'alarme 2000, plus fort que les Américains. Ah, alors là, c'est bien. Oh, toujours aussi belle. Non, des gamines, des vraies gamines. Non, mais c'est vrai, ça fait 10 ans qu'on s'est pas vu. Et franchement, je vous retrouve encore plus jeune. Mais alors, qu'est-ce que vous attendez pour nous faire la cour, hein? J'attends encore 10 ans. Allez, je t'embrasse, on va faire ça. Une de vos relations, sans doute. C'est mon nouvel ami d'enfance. Ça vous dérange pas que je mange pendant que vous fumez? Alors? Ah, Prosper! Ah non, non, merci, parce que Nadège me met au régime, alors... Chassez le naturel, il revient au galop. Comment tu étais? Comment tu es devenu? Je suis redevenu moi! Moi! Je suis un petit régime, c'est d'accord, c'est très bien, ok, mais tu peux quand même manger un petit gras prout. Touche pas à ça, ça vaut une fortune. La tête de ma femme, j'en pleure, je vais chercher un coup de poing.
bon, vous êtes là. J'ignorais que vous connaissiez les deux Courtabœuf. Depuis 10 ans. Oh, mais alors, vous saviez bien sûr que cet enfoiré de Prosper... Prosper? Ici? Avec tout? Ah, c'est un vrai talon! Non. Avec moi aussi, alors? Eh oui, il est comme un fou, le malheureux. Il vous attend dans la chambre du fond. Nom de Dieu! Et il va la grosse! C'est ça ton détective, ce bidon vulgaire. Écoute, l'important, c'est la photo. Oh, c'est fermeture éclair, mais ça meurt jamais. La photo hein. D'adultère. Avec ce connard. Hein. Bah désolé, moi j'en ai marre d'attendre. Oui. Maintenant, c'est moi qui vais m'occuper de ton prospect. Des méchants. Si tu refuses, c'est que tu m'aimes pas. Moi, je t'aime pas. Oh, tout. Tout ce que tu veux, pas tout. Tout. Ah, pas tout. Non, voyons un peu de correction. Oh, pas sur les fourrures des invités. Ah, ta gueule, j'adore le bison. Oh, mon ami. Ah. Oh, pardon, bonjour madame. Oh! Oh! J'arrive pas à croire ce que je vois. Mais comment avez-vous pu faire ça? C'est vraiment dégoûtant. Avec un morveux et beau gosse avec ça, quelle horreur! Vous devriez avoir honte de vous, madame. C'est vraiment affreux! Oh. Il vaut mieux être aveugle que d'entendre ça. Chérie, oh. Ah ben merci, bonjour le détective. Non. Ah! C'est monstrueux! Et comment un femme? J'ai jamais rien vu d'aussi épouvantable! Elle avait raison! Mais ma porte, toutes ces crues! Je ne touchais pas, j'ai peur des maladies! Alors, c'est vous, vicieux! Fini! Floris! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, je sais pas, je dois avoir avalé de travers. Prosper, il faut ouvrir les yeux. Le monde y change, les jeunes, ils nous prennent de vitesse. Il est temps de sonner l'alarme. Floris, tu as déclenché l'alarme paralysante à Efrasson. Tu ne peux plus bouger tant qu'on n'appuie pas sur le bouton. Après-midi, tu descends Courtabœuf dans son bureau et tu fais sauter l'usine. On croit à un acte terroriste. Ok? Mais non, bébé, sois plus chatte, merde! J'ai l'habitude de crever des ordures. Un glamour. Tu te souviens ce que je te disais quand on était en cabane? Môme, un jour tu tireras le gros lot. J'ai l'œil. Tu vois que j'avais raison. Thank you.
arriverai jamais. Fini. Tu as bien failli m'avoir, hein. Clovis, t'es mon ami. Pourquoi? Alors je te dis tout. J'ai plus rien. Lessivé. C'est la faillite. Tu es fauché. Lessivé. Et c'est la faillite. Mais enfin, mais comment c'est possible ça? Tu n'as même pas un petit compte en banque en Suisse, comme tous les bons milliardaires. Tu n'en as pas. Ah. Bien, je te dis. Il y a les cheveux gris qui me viennent. Même avec le aîné. Mais te laisse pas aller, Prosper. Comme il disait mon père, rien n'est grave sauf la mort. Et c'est ça que j'étais venu te dire. On est ensemble maintenant. On se quitte plus à la vie, à la mort, Prosper, ok? Allez, rire et félicitations, amis. Merde, ils peuvent pas parler sans les mains, ces putains de pieds noirs. Je vais leur couper les doigts et les manger. J'en vis ton inconscience et ta liberté. Hein. Non, non, mais franchement, je te jure sur ma part. On se croit, hein. Qu'est-ce qu'ils nous veulent? Merde! Mais dis-leur qu'ils allaient, je suis pas dans le coup. Tu étais moi qu'on me tire dessus. Hein. Oui, mais qui? Mais je sais pas qui. Moi, tous les patrons ont des ennemis. Et puis Nadège, là, ma femme qui me croit névrosée en plus. Le téléphone. Ah, fais rire, c'est la moitié de la vie, tu as dit, hein? Ouais, mais cette fois-là, c'est les autres qui veulent nous niquer l'autre moitié. Ah, merde, ils se tirent. Employons les grands moyens. Pas de détails, quand il y en a pour un, il y en a pour deux. Non, hein. Ah, il y a un ah, il y a un petit peu. Bougez-moi. Patron, j'ai rien vu. C'est la tête du bandit, le pied des bandits. Les cons, ils vont s'écraser comme une merde. Mais non, c'est pas une blonde. Mais non, cette fois, c'est vrai. Écoute, c'est très, très grave. Avertis la police tout de suite. Mais arrête, écoute, je suis pas névrosé. Mais gueule pas si fort. Non, je peux pas te dire où je suis parce que c'est trop dangereux. Mais toi, tu risques rien. Putain, elle a raccroché. Merde, elle me croit pas. Clovis, qu'est-ce que c'est? Non, c'est mon boxeur. Et ça, c'est quoi? Ah, ça, c'est le gaz. Le gaz? Bonjour, Rémi! Tu es encore au lit avec cette grosse bête qui pue. Un homme? Mais qu'est-ce que tu fais dans ton lit? La vérité, je ne me rappelle pas. Clovis, mon fils, je t'avais dit pas de femme à la maison, mais un homme. Oh, c'est péché. Maman, je te l'ai dit, rien n'est grave, sauf la mort. Mon Dieu, pardonnez-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il fait, ce pourri. Il a raison. Hein? Maintenant, je peux mourir tranquille. Bon, moi je me sauve, hein. Mais non, allez, dépêche-toi vite. Mais n'aie pas peur, écoute, la police est arrivée, là.
se claque, c'est pas trop tôt, hein. Police judiciaire, ne bougez pas. Vous êtes bien monsieur le Courtaboeuf? Oui, c'est eux, je les reconnais textuellement. Non, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, monsieur le Courtaboeuf, que d'après nos renseignements, vous êtes au bord de la faillite. Vous êtes donc accusé d'avoir mis fin à votre usine, dans le but de toucher l'assurance, et d'avoir tenté d'éliminer le seul témoin gênant, votre veilleur de nuit. Présent pour lui. Oui, il m'a tiré dessus, c'est Hallo. Mais grâce à Dieu, le bon Dieu, il m'a aidé à passer à travers les balles. Vous risquez d'en prendre au moins pour 10 ans. Si monsieur permet, mon beau-frère est bâtonnier. Non, 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 mais enfin, 10 ans? Non, mais c'est pas possible, mais Nadège, dis quelque chose, toi! Mais je me tiens à expliquer à monsieur le commissaire que tu ne peux pas être un assassin! Enfin, et puis de toute façon, on nous a tiré dessus à l'usine. Mais d'ailleurs, monsieur Blaireau est témoin, dis-leur, Clovis, toi, dis-leur. Voilà, il vous l'a dit. Blaireau? Blaireau, ça, monsieur le Courtaboeuf, ça s'enfoncerait plus tôt. Blaireau est un petit détective vénal et véreux, connu de nos services. Et je ne serais pas étonné de sa complicité dans cette tentative de meurtre crapuleux. Moi non plus, avec son chapeau de cow-boy. Je vous le fais pas dire. Permettez, messieurs, je vais vous faire un petit coup d'expliquement. Moi, j'ai compris toute l'affaire. Tout ça, c'est pour toucher la sécurité sociale. Moi, je ne suis pas de politique, mais syndicalement, si tous les patrons ils font comme ça, ils vont faire sauter la France pour toucher les assurances. Ne bougez plus! Et vous non plus! Prospère, pour l'amour de Dieu, laisse-moi descendre, je suis innocent, moi! Je te connais pas, d'abord, qui tu es, toi, je t'ai jamais vu! Ta gueule, petit détective véreux! On a toutes les polices de France au cul! 10 ans de prison, chacun, ils ont dit, t'as compris? Oui, mais peut-être qu'il y en a un de nous deux qui peut faire les 20, par exemple toi! On est pressé, on a un avion à prendre, oh. Bagage accompagné, s'il vous plaît. Assurez-vous qu'il monte dans le même avion que nous, hein. C'est trop bête, je commençais à m'attacher à toi. T'inquiète pas, va, j'ai des relations. On vous mettra dans la même cellule. Si Dieu le veut. Putain, ils sont mis à 6 pour nous arrêter. C'est pas grave, tu prends les 5 de droite, et moi je prends celui qui a pas d'arme. Oh, loin, loin, les enfants, du calme, hein. Par ici, bouge plus. Du ciel, ils ont juste nos tailles. We'll fight. It's not the first time, not the last. Non, hein. Mais laisse la porte ouverte, on va les aspirer. Ah, 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 oh, merde, le mec. Non mais...
Please, mademoiselle, ce serait pas à vous par hasard, ça. Mesdames et messieurs, nous arrivons à Tunis-Carthage. La température extérieure est de 47 degrés centigrades. La Tunisie ! Oh merde, on aurait dû grimper dans un avion qui allait en Amérique. J'aurais eu une chance de retrouver mon père, le pauvre. Oh, putain ! On est américain ! Toi, tu t'appelles Walter Salvatier ? Et moi, John Cesare. Oh, la gueule que tu as. Tu n'as pas vu la tienne. Non. Oh. Police. Police. Passeport. Monsieur Walter Salvatier. Louchez normalement, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Allez, viens. Hé là, hé là, hé là, hé là. Police! Ne bougez plus! Hey, my name is John Cesare. Je m'appelle John Cesare. Et toi, ton nom? Comment il s'appelle? Ah, Walter Salvatier, son avocat. Quelque chose de louche là-dessous. Oh, putain. Tu peux dire que je te porte chance, hein? Don Cesare. Si, si, si. Pierre et Salvati. Oh, et comment? Bien sûr que c'est moi. Bienvenue en Tunisie. Prego. Prego. C'est les pompes funèbres. On va peut-être à un enterrement. Si c'est le nôtre, j'espère qu'on est en retard. Mon père! Mais c'est mon beau frère! Oh, pardon, madame. Par ici, madame. Mon frère! Qu'est-ce qu'il fait, monsieur? Bouge-toi! Faut pas les perdre, tu comprends? Allez, nous l'aide! Poussez! Mais non, Paris, Madame de Courtabœuf. Bœuf, bœuf, comme une vache, la purée va. Benvenuto a Don Cesare e a son fedele consigliere Salvati. Parrain, depuis 20 anni, nous, Siciliens, la famille de Tunisie, avons inondé le Moyen-Orient de spaghetti. Et voici quelque temps, quelques indigènes en Burnous ont retrouvé le goût du couscous ancestral. Ils ont même formé le FRC, Front de Résistance du Couscous. Et je crois bien qu'ils nous cherchent des noirs. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? La guerre? Tu aimes ta famille? Haine. Et toi? Hein? Tes enfants, tu vas en faire de bons Siciliens? Benissimo. Adieu. Hein? Alors, il faut réfléchir. Certes, on ne peut pas leur faire la guerre. Et il faut quand même qu'ils nous fichent la paix. Vers revolver. Bon fourdon. Vous cherchez à influencer dans ses oreilles, hein? Vous lui avez manqué de respect. Vous prenez un homme qui vous aime et qui vous a si souvent une fois montré qu'il était fou de vous. Voilà un homme qui a des sentiments d'amour envers vous. Et vous...
vous lui arrachez le cœur. Il vous fait une bête proposition que vous ne pouvez refuser. La situation est extrêmement sérieuse. Elle est moins sérieuse que si elle était plus sérieuse, mais elle est quand même plus sérieuse que si elle était moins sérieuse. Et vice-versa. Vous avez tout compris. Écho, j'ai parlé. Prison. Moi, tu vas en prison. Moi, je vais retrouver mon frère, ami d'enfant. Taxi. Allez, fous-moi le camp. Adieu, parrain d'eau douce. Mais moi, chacun sa mère. Hein. C'est ton ami, c'est mon ami aussi, alors moi, je monte. On le surnommait Ben Merguez. Oui, tu verras, un pauvre type, hein, mais gentil comme tout. Oh là, tu... On était comme deux frères, tous les deux. Tu vas voir la fête qu'il va faire en me voyant, putain. Combien? S'il vous plaît, j'ai une femme, un gosse et des enfants. Ne tirez pas. Hein? Ne tirez pas. Qu'est-ce qu'il a, celui-là? Un pauvre type, ton ami, tu as dit. Je comprends pas, hein. Tu as remarqué que même les oiseaux, ils chantent plus. Ah, ouais, ben, tu vois, c'est sympa, hein. Ne bougez pas, vous êtes cerné. Don't move, you're surrounded. Une fois de le coup, mettez en douche. Mac Douglas, faites-les parler. Ben, comment tu me reconnais pas? Prosper, Prosper de Courtabœuf, de Polongo, la petite de ta mère. Rien, j'enlève le chapeau et tout, regarde. Non, je rêve. Prosper, le comte de Tézois, c'est pas vrai. Viens que je t'embrasse fumier, viens. Tu as gardé tes bons jours, hein? Qu'est-ce que tu fous ici? Je sais pas. C'est drôle, je me rappelais que tu étais un peu plus... Enfin, moi, je pensais que tu étais un peu plus sympathique, quoi. Je suis toujours sympathique. Ça te voit pas du premier coup. Mais à la longue, s'habitue à mon visage. C'est vrai. Je te présente Mac Douglas, mon associé américain. Ah, vous êtes américain. Hi. How you do? Yeah, it's good to see you. Good to see you. I've not seen an American for some time. Yeah, it's great. Your associé, amigo. Yeah, we're partners. You big balèze, hein? You too. Wow. Oh. Vous pouvez choisir, hein? Je les paye très cher. J'en kidnappe quelques-unes comme ça. Je les séquestre aussi. Il y en a qui ne sont pas toujours d'accord, comme celle-là, par exemple. Ça va jouer la matière. C'est pas grave. Prosper, quand je suis arrivé ici à 20 ans, qu'est-ce que j'avais? J'ai une petite boutique de merguez de rien du tout. Je roulais en trottinette. Regarde, viens voir. Prends-en plein les yeux, mon pote. Regarde pas trop le luxe, hein. Ça pique, il est en diamant. Un jour, ils sont arrivés le gros, là, avec les autres, ils m'ont dit, Albert Bentata.
Tu vas devenir le roi des hamburgers de tout le Moyen-Orient. Le voilà. Albert Benburger, en chéri en os. Tu connais les hamburgers, Prosper? Je connais. C'est comme les merguez, mais ronds, dégueulasse. Mais ça rapporte, hein? Viens voir, viens voir. Tu as vu mon look aujourd'hui. Le look. Regarde ça. Regarde. Des voitures, des villas, des piscines. Des gonzesses. Regarde. Comme des mouches, les gonzesses. Dégage les gonzesses. C'est ça la puissance, mon pote. Oh, ça c'est merveilleux. Approche. Tu as vu les chaussures dernier cri en cro-cro? Qu'est-ce que tu crois, petit merdeur? Hein? J'ai tout acheté, tout! Même la vue! Imprenable! Pour les autres. Chef, deux espions du front de résistance du couscous! Mike Douglas, faites-les parler! À la chambre de torture! Hop. Ils vont les torturer? Non, les chatouillent un petit peu, c'est tout. Et ceux-là, qu'est-ce qu'ils font, là? Exercice d'incendie. Hop. Les Ricains ont mis le paquet. 30 mercenaires. Go. Tous des anciens du Vietnam. Hé, attends, saute pas. Oh la vache, et toutes ces gonzesses, qu'est-ce que c'est? Des corps d'élite, toutes des anciennes du MLF. On les entraîne aussi. The Force. Garde-vous! Eh, Vita, il te salue encore. Discipline. Dis-moi, Ben, pourquoi tout ce déploiement de force? Tu n'as rien compris. Et dans le monde entier, c'est la guerre de la bouffe. Même les Américains, ils vendent le blé aux Russes. Le premier qui arrive à s'imposer, il a gagné, Prosper. Yop, la boum. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux imposer ici? Et ici, c'est rien, ici. C'est tout le Moyen-Orient qui nous intéresse. 200 millions de ventres à remplir de fast-food. On s'y comprend un peu. Les Italiens, ils ont les spaghettis. Les Arabes, ils ont le couscous. Nous autres, on a les hamburgers. Crois-moi, Prosper, la compétition est brutale. Cisaillement. Putain, t'en niquais l'œil, hein. La salle de jeu. Il est gracieux, hein? Il mouffe tout avec du ketchup. Tu as faim, petit bâtard, hein? Un chien, si je lui jette, tu retrouves que les grippes. Merci-le! Donc, vous faites marcher, Billy. Allez, Billy! L'air, oh, il est affectueux, hein? Aïma! Oui, très affectueux. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. J'ai menti devant tes amis, les Arabes ont parlé. Et ils les prennent pour les mafieux aussi, puisqu'ils les ont vus chez les Italiens. Eux aussi, les Arabes les prennent pour des mafieux aussi. Merveilleux. Merveilleux, puisque les Italiens les prennent pour des Italiens. Ça peut arranger nos affaires, ça. Demain, on les envoie à l'abattoir. On a assez perdu d'hommes comme ça. Prépare la valise mortuaire. Tu me programmes tout ça pour demain matin, 10h30. Pétard. Understand? Ça appartient aux Italiens. On est envahis. Ici, c'est au front de résistance du couscous. Il y en a partout. Eh ben, ils font du blé avec leur semoule, hein?
Tu vois, la concurrence est terrible. C'est dur de faire son trou ici. Toujours le même problème. Eh, hein? Dis-moi, il n'y a jamais personne dans tes boutiques-là. Oh là là. Ça va changer bientôt, tu vas voir. Voilà, derrière ces remparts, c'est chez nous. On a fortifié le sou. Caspa City, ma propriété. Bientôt, on mettra tout sur computer. Maintenant, Bessie, puis mange du popcorn. On fait tout pour les attirer. Putain, les cartes de crédit, même pour les pépites. C'est pas possible. Tous ces beaux petits hamburgers, un seul qui résiste. Mais il est bien, il met du ketchup dans son couteau. C'est beau, là, hein? Bonsoir. Oui. Tu peux voir mon anti-service? Oui. J'ai oublié, sois gentil. Tu me déposes mon attaché-caisse dans le salon royal, hein? Quoi, rien que je dépose, c'est tout. Mais... qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bombe, voilà! Non, mais te fâche pas, Albert. Non, mais c'est vrai, tu es vexant, putain. Tu l'énerves. Moi, mais qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais c'est vrai, ça se fait pas, des choses comme j'ai ça. J'ai demandé ce qu'il y a. C'est un ami d'enfant, putain. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Adieu! Au revoir. Allez, au revoir, Vincent. Qu'est-ce qu'il y a dans le salon royal, Ben? Encore? Il y a tout l'état-major du FRC. Et alors? Il est vraiment niqué de la tête, ce Yankee. Écoute, oh tchouch! Les types du FRC, Front de Résistance du Couscous, ils prennent Prosper et Clovis pour des mafiosi. OK, donc, après l'explosion de la bombe, les Arabes y croiront que les Italiens, ils ont déclenché la guerre, OK? Donc, ils vont s'entretuer, entre eux, ensemble, OK? Et nous autres, on va compter les points. Tu as compris, mulet? C'est formidable! Police! S'il vous plaît, qu'est-ce que vous avez dans cette bézambille, là? Oh, c'est un attaché-caisse. Pardon? Une bombe! Ça rigole tout à fait complètement. Suivons-les discrètement, please. Allez, monsieur, qu'est-ce qu'il y a dans cette attaché-caisse? Ah, mais en vie. Pardon? Un niquet dans le gourbi. Comment? Une bombe! Quoi? Une bombe!
faites? Je vous ai fixé rendez-vous pour la conférence au sommet et je vous retrouve dans la cave. L'heure est grave. Projection. Oh, chouette, un film. Voici donc les deux chefs italiens qu'il faut éliminer. Notre cave. Si nous voulons gagner vraiment la guerre du couscous, regardez-moi bien ces têtes de dégénérées, cette bouche de grenouille, ces yeux qui ne sont jamais d'accord. C'est moi. Mais c'est eux, les Italiens. Voilà aussi, aussi. Depuis que je te connais, il m'arrive que des merdes. Mais c'est toi qui fais des histoires pour rien. Clovis, je veux plus te voir dans mes pattes, t'as compris? Ok. Bon, alors de quel côté on va? Par là. C'est la guerre! Désigné des volontaires de suicide! C'est eux qui ont jeté la bombe, tu le vois bien. Pourquoi tu ne les arrêtes pas, monsieur Elliot Messer? Tu joues les infragétibles. Bonne reconnaissance. Je vais te faire un coup de flicement. Tu sais qui c'est eux? Eux, c'est comme les chèvres. Dans le feuilleton télé, Elliot Ness, tu connais? Mon synonyme. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il met la chèvre au milieu, il laisse les gangsters s'entretuer, et puis après, tranquille, il compte les morts. Oui, monsieur, oui, oui, oui. C'est comme ça qu'on devient un incorruptible. Un incorruptible? Un incorruptible, imbécile taré. Oh, to me, Lord, I am so sick. I don't believe what I do. Attends, on va flirter, hein, flirtons. Aïe, aïe, oh, putain, tu vas péter la colonne. Mais c'est Prosper en moquette. Prosper, dites-moi que c'est pas moi. Mais on fait Prosper. Bravo, tout ça c'est de votre faute encore, hein. Non, je mets toujours immacu cet homme. Allez, dégage. Pourquoi il se met? Aïe, 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 mais pourquoi ils se sont tous déguisés? Je comprends. Habiter chez vos parents, petite rose de sable? C'est-à-dire, je pratique mes études de Paris, je fais Sciences Po les Sorbonne, on fait des conneries. Ah, mon Dieu, tu sais. Ah oui, ah, tu fais attention parce que je suis plus celle, hein. Oh, c'est possible. Ah oui, 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 là. Non, non, pose-toi parce que j'ai peur d'attraper des enfants. Alors, tu regardes, mais tu ne touches pas. C'est excitant. Il y a beaucoup de couscous. Salle des fêtes à Courbevoie. Non, ça c'est pas possible, je supporte pas. D'abord, mon mari va m'entendre, hein. Non, mais qu'est-ce que c'est cet accueil là, sans blague? Adieu! Oh, et ma fille, ça arrive en pleine révolution. Une bombe dans l'hôtel et Prosper qui se déguise en Fatma. La chambre de ma soeur, s'il vous plaît, Chocoline et Rosette. Non, Nadège de Courtabeur. C'est ça. Au fait, où il est ton amant? En prison. Ils l'ont arrêté. Grâce à Dieu, il m'en a fallu du temps pour comprendre qu'il en voulait qu'à mon argent. Il a voulu tuer Prosper, ce pourri de snob. T'as vu la diète? Ils sont malhonnêtes, hein. La clé de ma sœur, s'il vous plaît. C'est pas pour dire, hein, mais les sœurs Cioccolini, elles sont uniques au monde. Qu'est-ce que c'est là? Elle ressemble à Prosper. Mais c'est Prosper. Mon Dieu.
gens qui ont remarqué, je suis poursuivi. Mais non, tu n'as plus besoin de te déguiser. La police, elle a retrouvé les coupables. Tu es libre. C'est bon, on a été victimes d'escrocs, toi et moi. Oh, mon amour, c'est merveilleux. On va repartir à zéro comme en 62. Une main devant, une main derrière. Pour mériter une chose pareille, c'est pas possible. Voilà, vieux Chocolini. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous dans ce pays? Prospect! T'es plus de l'occasion, on peut gueuler maintenant. Naturel décontracté en siffle. Oh, c'est pas possible. Je suis plus con que toi en mer, hein. Merde. C'est lourd, hein. Bon, tu prends la moto de droite. Non, de gauche, pourquoi? Parce que je monte avec toi, je sais pas conduire. Bon, si dans 20 minutes je suis pas là, tu préviens la police, hein. Oui. Mais c'était des amis à moi, monsieur l'agent, à moi. Mais qui j'ai le droit de les faire sauter à la bombe, si on veut, non? On est dans un pays libre, oui ou non? Mais il est brut, celui-là, c'est pas possible, monsieur l'agent, hein. Vous n'avez pas reçu la petite enveloppe? La petite enveloppe, non, vous comprenez? Je paye tout le monde au commissariat, moi. Je paye tout le monde au commissariat pour pas qu'ils foutent le nez dans mes affaires. Comme ça, vous comprenez? Je leur donne des tuyaux, moi. Vous êtes nouveau ici, vous, hein? Albert, fils de putain! Prosper! Si de pute! Allez! Foutez-le à la fosse au lion! Je sais pas ce qu'il me retient. Merde, si je savais m'en servir! Viens, n'aie pas peur, je suis là. Oh là, tiens, aide-moi à tenir la peau. Tiens-moi. Hercule! Il est gros, hein? Regarde le gros goûter que tonton Benny t'a porté. Bien dodu. Avec les bonnes jours, c'est bon. J'ai rien jeté, là. Ça fait rien, ça sort pour le thé à 5 heures. C'est con, mais il a pas faim tout de suite. Il est très pointué sur les horaires, je l'ai acheté en Suisse. Allez, jetez-le, allez, allez. T'inquiète pas, tu seras pas tout seul. J'ai des espions partout. Ton copain Clovis, on va le retrouver, il va venir te tenir compagnie. Albert, écoute, l'ami de ta mère, on était comme deux frères, tous les deux, rappelle-toi, l'amitié c'est plus fort que l'argent, mais c'est toi qui le disais, Ben. Ouvrez-moi, s'il vous plaît. Non, mais sois gentil, écoute, ne bouffe pas, Hercule, parce que j'ai les yeux pointus, tu vas te perforer l'estomac. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Prosper? T'es dingue, je suis pas conduit ce truc, moi. Ça fait rien, monte derrière. On va prévenir mon père, il dirige le chantier d'à côté. Mais quelle horreur, une femme qui conduit. J'étais seul, là, 50 contre 1. Et ils avaient des sabres grands comme ça. Qu'est-ce que je dis grands comme ça? Des sabres grands comme ça. Et je les ai découpés en rondelles et tchak et tchak et nique et das. Et je les ai taillés à menu. Il y a même un petit rigolo, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a bouffé deux doigts. C'est vrai, papa, crois-moi. Il a risqué sa vie pour me sauver. Allez, il faut le rentrer dedans. Vous devez risquer vos vies pour sauver vos propres filles, les pauvres, kidnappées par ce monstre. Ben Burger, je vais vous emmener jusqu'à Zeur. La bombe du Salon Royal n'avait fait qu'envenimer la haine entre le clan des Siciliens et le front de résistance du Couscous. Mais voici la goutte qui allait faire déborder le vase. C'est à moi que tu m'as fait choisir? Non, j'ai fait ça. Ah, così. Pas bene. Così, così. Non, il m'a pas fait ça. Il m'a fait ça. Non, è così. Così. Oh, va bene. Merde, per te! Il italiano!
de terreur s'installait sur la ville et ce matin même, vendredi 21 mai à 10h57 très précise, la guerre des gangs éclatait. Slimane n'aimait pas les spaghettis, ces spaghettis qui avaient la couleur du couscous, le goût du couscous, mais qui n'étaient pas du couscous. Quant aux Italiens, ils s'attaquaient au chargement de couscous pour défendre la peau de leurs spaghettis. Plus tard, le chef Slimane s'attaquait au dépôt de spaghettis et envoyait son tireur d'élite. Attention, tu comptes jusqu'à 7. Oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. À 13h47, Don Cesare et ses mafiosi répliquaient de façon plutôt fumante. Oh, vous ne savez pas de ce côté de la mer, j'appétit. On y compte, ils vont exploser avec leurs bombes. Quelques instants plus tard, la ville était à feu et à sang. Une lutte acharnée faisait rage dans un déluge de bombes. Mon Dieu, et Prosper était dans la rue alors qu'il pleut des bombes. Bête, il aurait pu au moins prendre son parapluie. Dans vos gueules, les sœurs Chocolini d'El Biard, merde. Les deux bandes rivales s'exterminaient, et les seuls rescapés de cette lutte sans merci, les chefs, devaient inéluctablement s'affronter dans un règlement de compte impitoyable. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut pratiquement réfléchir. Ils n'arriveront jamais à s'exterminer. Ils sont tarés, tu m'entends? Tarés, T-A-R-A-I-S. Allez, plus vite! Allez, plus vite! Plus vite! Plus vite! Ah! Heureusement, l'infatigable Elliot Nesser veillait sur la population innocente et mettait fin à cette guerre des gangs par une ruse qui allait lui valoir le lacet du grand cordon de la Légion étrangère. Mais non, c'est pas du tout ce que vous croyez. Vos filles, je les enlève pour les envoyer à notre université du hamburger à Kansas City. Mais toi, tu es un faux américain, un espion, et tu dois mourir. Je suis né américain, je veux mourir américain. Garde-vous! Thank you.
comprends toujours pas. Attends, je le dis en anglais. Hercules, it's no time for tea. Prospère, on est là, n'aie pas peur. Prospère. Rien à faire. Elle est blindée. J'avais vu ça, c'est pas mal, hein? Tu connaissais pas Super Yo-Yo. Et tu fais tout ce que je veux maintenant. You very beautiful. Relax, musica, relax. Couchez la tête, ta mère, couchez. Yes, c'est mes héros, mais je vous dirai pas lesquels. Jamais, jamais je vous donnerai le code de la porte. Jamais. Prosper, c'est mon meilleur ami à moi. Je veux qu'il soit bouffé par vos lions, à moi. C'est le centième aujourd'hui, ne m'enlevez pas ce plaisir. Il gagne un porte-clé. Porte-clé, tu te fous de ma gueule. Dodo, Dodo, j'ai dit coucher là. One, deux, trois, quatre, cinq. Non, encore deux secondes. Laisse-le là, mec. Qui voulait nous acheter, oui, autant t'éclairer. Oh, il n'a pas volé jaloux. Le pays va enfin retrouver sa tranquillité. Réformez à tous, sauf toi, l'espion. Quand on traite Macbeth comme un con, on finit chez les lions. Personne encore ne m'a jamais ridiculisé comme ça. Ça me fait très mal. Mais rien n'est grave, sauf la mort. Qui vous a appris cette phrase? Mon père, il disait toujours ça. Mon père, c'était un Américain, un GI, il m'a engendré dans un tank au Maroc. Un tank? I am Clovis! Mon fils! My boy! Papa! Dada! Oh, Clovis! Il ne mange pas cachère. Ainsi, McDouglas n'a pu contaminer le Moyen-Orient de ses hamburgers, mais en échange, il a fait mieux. Aujourd'hui à New York, la 5e avenue porte le nom d'Oriental Street et ses American Fast Food sont devenus Oriental Slow Food. Very good, very good.
Nous avons aussi essayé de tourner ce film en anglais, mais en vain. I thought you were a lot nicer. Oh la putain, j'y suis arrivé. I would not heal with that cobble hat. I am really nice, but it's hard to tell. You love your family? Ben? No. Il vous l'a dit. C'est très bien, Jerry. Oh, merci beaucoup. Attends, bouge pas, on fait la version anglaise. Oh non. What's in there? Qu'est-ce qu'il y a? Une bombe, voilà. Attends, regarde-moi, Ben. Il rigole comme un con, c'est tout. Non mais c'est vrai, tu dis quoi?